d'Afresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est dans le studio avec Lorline qui vient de la part du Radisson Blue, c'est ça? Lorline, bonjour. Tu peux te rapprocher du micro, rapproche-toi bien du micro. Qu'il reste en face de ta bouche pour que j'aie une meilleure qualité de son pour les auditeurs d'Urban FM qui t'écoutent. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors toi, tu viens nous parler du village de Noël by Butterfly. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, by Butterfly? By Butterfly, c'est le village de Noël. Ah, d'accord. C'est son nom. Ah, d'accord. C'est ça le nom du village de Noël, oui. Du Radisson Blue. Oui. Ça commence le 23 décembre 2017 et ça finit le 7 janvier 2018. 2018. D'accord. Exact. C'est quoi concrètement le village de Noël pour vous au Radisson Blue? Le village de Noël, c'est un concept qui existe partout dans le monde. D'accord. Qui permet aux familles, aux enfants de se réunir autour de la magie de Noël, tout simplement. Ah, d'accord, ok. Il y a quelque chose de particulier que vous faites par rapport aux autres? Oui, oui. Premièrement, il y a des salons où on apprend aux enfants comment il faut coudre, comment ils peuvent faire des sapins, oui. Comment ils peuvent apprendre à faire des crêpes, etc. Ah, vous apprenez donc les enfants à cuisiner, oui, à cuisiner et à mijoter des petits gadgets, oui. pour le Noël. Comment faire des jus faits maison, un peu de tout, quoi. D'accord. Et les parents accompagnent les enfants? Oui. Pendant que les enfants font ces activités-là, que font les parents? Les parents, il y a d'autres jeux pour les parents aussi. Mm-hmm. La corde à sauter, la mer, histoire de se rappeler des jeux. La mer, tu connais pas les jeux de la mer. On va partir de la maison pour venir faire la mer. Mais pour accompagner l'enfant dans le jeu. Il y a des jeux traditionnels, il y a tellement de choses. Vous allez faire le jeu du sable et de la bouteille? Bien sûr. Il n'y a pas le songo, le damier. D'accord. Oui. Il y aura tout ça. Les enfants vont manger quoi? Ils vont manger des gâteaux, des pains au poulet, ils vont manger pas mal de choses. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 9h. Donc ce 23 décembre, à partir de 9h, on peut déjà venir avec les enfants? Oui, venez avec vos enfants, n'ayez crainte. Il y a les toboggans, les châteaux gonflables. Il y a tout, il y a les trombolis, les balançoires, les kermesses, il y a tout. Il y a tout, hein? Oui. D'accord, ok. À part ça, les parents, eux, ils mangent quoi? Ben, ils vont trouver de quoi manger devant. Il y aura des plats faits pour les parents. Il y a des buffets, en tout cas. Ah, d'accord. On va dresser des buffets. Et tout ça, ça coûte combien? Ben, les prix à partir de 1000 francs en montant. Ah bon? Oui. 1000 francs? Comment ça? Mais c'est moins cher. Oui. On va emmener tous les enfants du Gabon, alors. Oui, emmener les enfants. L'espace est grand. C'est dans quelle partie du Radisson Blue que vous allez poser l'espace pour les enfants? Ben, moi, je vous laisse dans le suspense et je vous demande de venir découvrir de vous-même. D'accord, ok. Donc, à part le suspense que tu nous laisses là-dedans, nous, on veut savoir vraiment avant de venir, quoi. Oui. Comment il faut se préparer financièrement? Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne vivre la surprise financière là-bas. Il faut que le parent qui se déplace prépare ses poches pour pouvoir passer un très bon temps avec ses enfants du côté des Radisson Blue. Donc, vous n'avez pas une grille de prix disponible pour les parents qui nous écoutent en ce moment? D'abord, pour les activités, tout est à 1000 francs. D'accord. Ah, c'est les activités, le bricolage. Oui, le bricolage, l'apprentissage, etc. Tout est à 1000 francs. Maintenant, concernant les buffets, comme je vous ai dit, parlez bien devant le micro parce qu'on ne vous entend pas bien. De 1000 francs en montant. D'accord. Et ça, c'est le matin, le soir, le matin, à midi et le soir? Oui. Jusqu'à la fermeture, en tout cas. D'accord. Le village s'ouvre à quelle heure et il ferme à quelle heure? Le village de Noël s'ouvre à 9h et ferme à 19h. D'accord. Tous les jours, du 23 au 7 janvier? Oh oui. D'accord. Oui, Gina, tu avais une question? Non, 9h, 19h. Tous les enfants? Tous les âges?
Oui, tous les âges confondus. Hein. D'accord. Trois mois. D'accord. Trois mois comment? Non, un enfant de trois mois. Il veut venir. Tu, toi, tu as des questions. Tu vas amener un enfant de trois mois. Ben oui, elle a tous les âges. À trois mois, il ouvre les yeux, il sourit. À trois mois, il ouvre les yeux, il sourit, il s'énerve. Bah ouais. Oui. Il peut aller à Noël, il peut aller. La fois, à trois mois, il ouvre les yeux, il sourit, il s'énerve. Mais il est fragile, il reste à la maison. Non, du tout, du tout. C'est après un mois qu'on fait sortir le bébé. D'accord. Hein, Mosley. C'est après un mois, non? Qu'on fait sortir le bébé de la maison et tout ça, qui voit la lumière du soleil. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont s'occuper d'entretenir les enfants? Oui, oui. C'est des personnes qui ont l'habitude de s'occuper des enfants? Oui, des personnes formées pour ça. D'accord, il y en aura combien au maximum? Ben, je pense que nous en avons 10 filles, voilà, chargées de s'occuper des nourrissons, etc. D'accord, ils sont formés pour ça? Oui. Ils ont les capacités? Oui. Vous attendez combien d'enfants au maximum? Ben là, concrètement, je ne saurais vous dire. Mais bah, parce que là, ça coûte 1000 francs là, et les gens, ils écoutent ça à la radio, ça va débarquer. Oui, s'ils peuvent venir, si tout le Gabon, ils peuvent venir, qu'ils viennent. Ça, c'est la même frappe avec les gars du Festival des Chrétiens. Là. Vous, vous attendez, si tout le Gabon part au Festival des Chrétiens, tout le Gabon va aussi venir au Radisson Blue. Mais du coup, plus personne ne sera dans les maisons. C'est exceptionnel. Et personne ne peut s'acheter. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Voilà. Parce que les enfants, ils auront l'occasion de voir Spider-Man. Lui-même en personne? En personne, hein. En personne. Est-ce qu'on pourra acheter des cadeaux? Est-ce qu'on pourra acheter des cadeaux aux enfants là sur place? Oui, oui. D'accord. Ah, Spider-Man. Tu as déjà vu Spider-Man? Il faut que je le rencontre. D'ailleurs, donc, il y aura des mascottes pour animer, pour faire danser vos enfants. Vraiment, ils vont s'amuser comme des malades. D'accord, il y aura un bon DJ qui va mettre la musique des enfants. Bien sûr, bien sûr. Okay. J'espère qu'on ne va pas mettre des chansons genre, comme j'ai écouté dans un jardin d'enfants hier. Avec quel genre de chansons? Je suis calé, c'est une chanson des enfants, il n'y a rien. Il y a quoi de grossier dedans? Oui. En fait, tu ne pensais pas à Je suis calé, tu pensais à une autre chanson. Avec que tu n'oses pas prononcer. Non, non, du tout ça. Avec les rêves. Ça, c'était une aberration. La nation avait dansé. Aberration musicale. Toute la nation avait dansé ça. Il y avait ça toutes les fêtes, même les fêtes d'école. Est-ce qu'on est conscient de là où on amène nos enfants? Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas avec les reins. On va pas la musique ça. Sera non. Surveillée. Non, est-ce que pendant cette période, les autres restaurants, les autres activités du Radisson vont rester ouvertes? Bien sûr. Genre la Maya Food, on pourra venir continuer tranquillement à bouffer des hamburgers. Un habitué. Un habitué de quoi? Mais on a été invité à Maya Food, non? Tu n'es pas venu? Le Radisson Blue a invité tout Urban FM. J'ai reçu l'invitation. Vous avez décliné l'invitation. Ah, le frère. Oui. Donc on a mangé des hamburgers. On a rempli les ventes. Sûrement, le frère a oublié. Et on avait les meufs. tu connais ce qu'on appelle les meufs, non? Genre. L'enligne, alors, est-ce qu'il y a des numéros si des personnes veulent appeler pour réserver? Est-ce que c'est possible de faire des réservations? Bien sûr. D'accord. Donne-moi le numéro, s'il te plaît. Vous pouvez réserver sur le 04 15 78, le 01 70 58 79. Et le 06 89 09 92. C'est mon numéro. D'accord. Ça, c'est pas le numéro pour appeler. C'est mon numéro personnel. D'accord. Mais il ne fallait pas le mettre ici. Il ne fallait pas donner ça à la radio. Les hein. Auditeurs vont, ils vont. Les auditeurs, il y a des gars rapides. Ils appellent vite. Hein. Ok. Donc, le village de Noël Butterfly, c'est la deuxième édition. Oui. La première édition, tu étais? Non, je n'étais pas sur Libreville, malheureusement. D'accord. Donc, tu ne sais pas comment ça s'est passé? Mais je sais juste que ça s'est bien passé. Oui, mais tu n'as pas l'expérience de ça. Tu n'étais pas. Non, je faut nous dire pas. La vérité. Oui. D'accord. Mais cette année, tu seras. Bien sûr. Donc, présente avec le drapeau même. D'accord. Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 au Radisson Blue. Merci, Laureline, d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Et de nous avoir donné des détails sur le village de Noël, Butterfly du Radisson Blue. Okay. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci 104.5, également. La station urbaine. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM, Urban FM.
Urban FM. Stop Fresh Morning. FM.fm.